segundos delante. Faltan 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Venga, everybody! ¡Buena suerte! ¡Buena fortuna! ¡One shot! Il est 9h, j'ai fait à peu près 57 km. Voilà, donc je suis plutôt content. Pour l'instant, tout s'est pas trop mal passé. J'ai su bien gérer les coups de mou que je sentais arriver. Et alors, un petit conseil, quand vous avez des crampes, vous prenez tout de suite une petite pincée de sel avec de l'eau. Dans la minute qui suit, les crampes disparaissent. Laminé. Dès le départ, en fait, j'ai fait une grosse hypoglycémie. J'avais plus de jambes, plus d'énergie, le souffle court, le moral dans les chaussettes. Oh, j'ai vécu un moment terrible là. Et donc, là, voilà, je descends vers Terreda et je vois enfin le soleil depuis le départ. À peu près au kilomètre 85, il est 17h29, voilà, le soleil va se coucher dans 2 heures à peu près, et là donc terminé les grosses montées infernales, il me reste 35 bornes avec quasiment que de la descente, donc pour les articulations et les fibres musculaires ça va morfler. La Transgran Canaria serait pour moi la petite sœur du Grand Raid de la Réunion dans sa technicité et ses dénivelés négatifs comme positifs assez raides. Il y a beaucoup de ressemblances, je trouve. Ça rappelle des bons petits souvenirs. On avance, on avance. Bon, il y a une chose dont on n'a pas parlé.
peux vous dire que les Espagnols ne savent pas ranger leurs cailloux. Regardez-moi ça, c'est quand même rangé n'importe comment. Je suis à peu près au 95e kilomètre. Donc il me reste 30 km. J'attaque l'avant-dernière ascension, pas trop longue, avant d'attaquer une nouvelle descente infernale, tonitruante comme celle que je viens de passer, mais c'était incroyable quoi. C'était des gros blocs de cailloux à te casser les cuisses quoi. C'était interminable cette descente. Et là ce qui est sympa c'est que on voit Mas Palomas, donc la ville d'arrivée. Donc c'est pas encore fait mais c'est toujours un point de mire motivant. De la Trans-Gran Canaria. Y otro de 120.